pouvoir définir, je rentre dans un magasin de disques et je regarde dans quelle catégorie on m'a mise. Et c'est souvent sous la chapelle de la pop musique et parfois pop rock, ce qu'on appellerait pop rock. Aujourd'hui, on est face à un moment où toutes les musiques se marient et font des... Font de tout ça quelque chose d'assez éclectique, mais c'est quand même sous une chapelle pop, je dirais. La pop musique a quelque chose de très calibré dans sa manière de faire les morceaux. Et moi, je fais pas de morceaux expérimentaux de 47 minutes ou voilà. Donc il y a quand même quelque chose d'assez cadré. En revanche, dedans, les influences sont très larges. Aujourd'hui, sur cet album-là, il y a autant du rock que de l'électro, que beaucoup d'influences latines dans les percussions. Voilà. J'ai en fait de la musique cubaine et aussi grâce à la musique cubaine et à deux grands voyages que j'ai fait à Cuba. Je me suis reconnectée avec des disques qui ont été fondateurs pour moi, qui sont des disques de Sergio Mendes, donc de musique brésilienne. Et je me rends compte que tout ce que j'ai aimé derrière, suite à ce disque-là qui est brasileiro, tout ce que j'ai aimé, que ce soit Michael Jackson, les Neptunes, Pharrell Williams, finalement revenait toujours à ce genre de rythmique. Quand on écoute They Don't Care About Us ou même les premiers Pharrell, on se rend compte que toute cette batucada brésilienne, cette manière d'utiliser le rythme percussif m'a énormément influencée. J'ai délivré quelque chose qui a mis du temps, qui s'est vraiment écrit sur la route, beaucoup aux États-Unis où j'ai passé beaucoup de temps, sur la côte basque, qui est ma deuxième maison, à Cuba notamment, et je pense que toutes ces influences-là, new-yorkaises, de la Havane, et de l'océan très présent, ont influencé ce disque qui représente une photographie de ce qui m'a traversé aussi ces dernières années, donc qui parle des femmes, qui parle de la femme que je suis, plus les multiples facettes qui m'entourent et voilà. Et moi, je recommande aux gens d'écouter le disque et surtout de venir le découvrir sur scène.